Bonjour et bienvenue sur Condé TV, votre journal d'information locale visible sur notre page Facebook ou sur notre site internet www.conde59.fr. Au sommaire de cette édition, la manifestation du 23 mai dernier en soutien à Madame Monnier, ancienne assistante d'éducation au lycée du pays de Condé. Rendez-vous à la galerie Lacléron pour une exposition pour le moins atypique. Le centre social a organisé à la mi-mai sa semaine verte. La Movida, une nouvelle façon originale et fun de faire du sport. Et nous terminerons ce journal par une séquence émotion à la maison de retraite. Le 23 mai 2013, professeurs, élèves, personnels et parents d'élèves du lycée du pays de Condé se sont unis autour de Laurence Monnier. Cette assistante d'éducation de 44 ans a enchaîné les contrats précaires au sein de l'établissement depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, le rectorat lui pose l'échéance finale. Après toutes ces années d'investissement auprès du personnel éducatif et surtout auprès des élèves, elle doit quitter son poste fin juin. Mais Laurence ne l'entend pas de cette oreille et compte bel et bien le revendiquer. La mobilisation a commencé dans un premier temps sur les réseaux sociaux avec la création d'un groupe de soutien sur Facebook, puis la circulation d'une pétition qui a d'ailleurs recueilli plus d'un millier de signatures. À l'initiative des parents d'élèves, une manifestation a eu lieu dans les rues de Condé, en guise de véritable point fort de leur action. Au départ du lycée, armés de banderoles et de photographies, symboles de leur soutien à Laurence, tous ont remonté la rue de la Chaussiette, puis l'avenue de la Liberté, pour terminer le parcours sur la place Pierre-Delcourt. Écoutons maintenant M. Assier, professeur de philosophie, accompagné des membres du syndicat Sud Éducation. Et M. Daniel Bois, maire de Condé-sur-l'Escaut, s'exprime à ce sujet. Il y a 300 signatures en plus sur Facebook. Il y a un groupe de soutien sur Facebook qui a été constitué. On voulait remercier les copains des syndicats qui sont venus parfois de bien loin. On voulait remercier M. le maire aussi, qui a permis de sécuriser le parcours et qui nous a autorisé à défiler aujourd'hui. Je peux peut-être rappeler rapidement la situation de Laurence. Tout le monde connaît quasiment ici. Ça fait 22 ans qu'elle travaille chez nous dans le service administratif, donc en tant que secrétaire en direction. 22 ans de contrat précaire. Elle a tout connu en fait depuis 1991. Des contrats d'équipe d'emploi de solidarité, contrats d'accompagnement dans l'emploi, contrats d'avenir. On se demande quel avenir. Et pour finir par un contrat d'assistant d'éducation qui se termine donc le 31 mai. Il n'y a pas de solution en fait de reprise de Laurence et de maintien dans l'emploi. Donc voilà pourquoi on se mobilise et qu'on essaie de demander au rectorat la possibilité en fait de la titulariser ou de trouver pour elle un CDI. Triste de se dire que je vais devoir quitter ces lieux après autant d'années d'investissement. Mais bon, mes élèves, je vous oublierai jamais. Merci. C'est émouvant, en fin de compte. C'est dur de parler comme ça quand on est dans une situation difficile. Je voudrais simplement dire, vous remercier tous de nous avoir accompagnés. Je dois dire que j'ai reçu Laurence il y a quelques temps. Je me suis adressé au cabinet du ministre. Je n'ai toujours pas de réponse. Je vais le recevoir la semaine prochaine pour voir un peu comment on peut essayer de trouver des solutions. Et je crois qu'il y a un maître mot dans l'histoire. C'est qu'il faut combattre l'injustice, il faut la solidarité, et surtout notre République, elle a une devise, hein, liberté, égalité, fraternité. Pour une fois, on va demander au pouvoir public d'appliquer totalement leur devise. Merci. Avec mes profs, avec mes collègues. Et quoi qu'il en soit, j'ai passé de superbes années, mais je peux vous dire que c'est pas fini et je ne compte pas lâcher. Il y a eu trop d'investissements et on a trop besoin de moi, notamment les élèves. Merci. Les nouvelles ne sont malheureusement pas bonnes. Depuis la mobilisation du 23 mai dernier, Laurence n'a à ce jour obtenu aucune réponse à sa demande d'audience auprès du rectorat. Et maintenant, la galerie municipale Lacléron est un lieu dédié à l'art sous toutes ses formes. Au mois de mai, cet espace a accueilli l'exposition The One Inside. Ce travail est le fruit de l'imagination d'un créateur original connu sous le nom d'Alice Vericor.
peinture, sculpture, photographie et vidéo étaient réunis pour cette seule exposition. L'artiste a développé son art sous tous les supports qu'il maîtrise à la perfection. Partons à la découverte de cette exposition, pour le moins atypique et novatrice. Dans la galerie est principalement constituée de toiles, de peintures non traditionnelles, de sculptures, également d'une œuvre numérique, de quelques photos et d'un coffret que j'ai réalisé entièrement moi-même. Je suis autodidacte dans tous les domaines, n'ayant suivi aucune formation artistique. Et Insider est une des sculptures qui interpelle le plus le public actuellement. Ce que j'essaie de démontrer, c'est que l'homme, à l'heure actuelle, vit avec un masque, ce que Carl Gustav Jung appelait la persona. Ce masque, finalement, que l'homme s'entête à rendre le plus brillant possible, le plus beau possible, le plus vivant possible, finit quelque part par le dévorer. Est-ce que c'est le masque qui vit à travers l'homme, ou est-ce que c'est l'homme qui vit à travers le masque? Si vous ne pouvez pas venir à cette exposition, je vous invite à visiter mon site internet www.innerself.com. Vous pourrez retrouver l'ensemble des œuvres qui sont présentées ici. La galerie accueille du 9 au 30 juillet M. Batcouvé, spécialiste de la calligraphie orientale. Après la semaine bleue réservée aux seniors, octobre rose pour la prévention du cancer du sein, une nouvelle couleur a fait son apparition à Condé avec la semaine verte. Organisée par le centre social, elle est exclusivement dédiée à l'écologie. Pour nous en parler, écoutons Émilie Équin, organisatrice du projet. Alors, la semaine verte, c'est une action qu'on a décidé de mettre en place avec un groupe d'habitants qui étaient motivés pour expliquer des choses au public. Alors, il existait plusieurs semaines à couleurs différentes, la semaine bleue pour les personnes âgées. Nous, on a décidé de faire une semaine verte pour tout ce qui est l'écologie, l'environnement, la propreté, bref, se mettre au vert avec envie, donner envie aux gens de se mettre au vert. Cette année, on a un groupe d'habitants qui est motivé pour le faire. Des habitants qui habitent le Hainaut et Froissart, mais aussi des habitants qui habitent le centre-ville de Condé et d'autres quartiers de la ville. L'idée, c'était aussi de travailler avec d'autres structures, d'autres services. Donc, on a beaucoup d'aide de la ville, on a de l'aide de Valenciennes Métropole. L'idée, c'était de faire ensemble, de pouvoir apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble, de viser des objectifs et de motiver, en fait, les gens à travailler sur un même projet. Donc là, ce petit groupe d'habitants qui était motivé pour travailler sur la semaine verte, ça fait 6 mois qu'elle le prépare, à savoir ce qu'on va y faire, à qui on va interpeller, comment on va le faire. Nous avons inauguré la semaine verte au centre social, dans un premier temps pour expliquer ce qu'était ce projet de semaine verte avec les habitants, et ensuite aussi pour présenter tout le programme de la semaine avec toutes les actions qui seront mises en place. Aussi, ça a été l'occasion de proposer un petit jeu aux habitants, histoire de faire que cette inauguration ne soit pas un bref discours. Nous avons proposé un jeu de sensibilisation au tri des déchets ménagers, et aussi pour montrer que les habitants qui habitent le Hainaut ont des difficultés pour accéder à leur local poubelle. Il leur faut 7 minutes pour accéder au local, ils n'ont pas de vie d'ordure. Et donc c'est toute la difficulté que peuvent avoir les habitants. Et donc au-delà de pouvoir faire le tri, il faut pouvoir accéder facilement au tri des déchets. Alors nous avons commencé les festivités de cette semaine verte par la visite de 2 jardins qui se situent à Vieux-Condé. Alors c'est pas très loin d'ici, on voulait permettre aux personnes de découvrir des jardins qui paraissent cachés dans la ville, et même les habitants de Vieux-Condé parfois ne le connaissent même pas. Alors le jardin solidaire est un jardin qui est cultivé donc par des personnes qui sont en insertion.
Où on trouve des légumes, alors ils produisent des légumes, des plantes, ils apprennent aussi tout ce qui est biodiversité, les espèces, la faune, la flore. On a pu voir aussi certaines personnes en train de construire des toilettes sèches, à apprendre le mécanisme de ces toilettes. Ensuite, nous avons visité le jardin botanique de Vieux-Condé. Alors, le jardin botanique abrite plein d'espèces de plantes différentes, en différents endroits, différents espaces, très agréable, on peut s'y promener facilement. C'est pas très loin de Condé, et pourtant, peu de monde le connaît. Continuer cette semaine, le mercredi, nous avons proposé un spectacle avec un trio burlesque de comédiens de la compagnie les Baltringues qui viennent de Lille. Donc Anne-Sophie et Mathieu sont venus avec leurs poubelles pour nous présenter un spectacle assez comique, sans parole, donc tout le monde pouvait bien le comprendre. Ils grommelaient, exactement, c'est le terme qu'ils emploient. C'est un jeune homme qui arrive, qui tombe amoureux d'une belle, qui lui offre un bouquet de fleurs, et en retour, la belle lui offre un sac poubelle. Donc au début, il croit un cadeau, et par la suite, il se rend compte que c'est un véritable sac poubelle puant, plein de détritus, et il essaye de s'en débarrasser, mais à chaque fois, il est rattrapé par la réalité, par la police, par une grand-mère, par un enfant. Voilà, il essaye de toujours s'en débarrasser, il n'y arrive pas, jusqu'au jour où en fait il devient limite la poubelle, et on termine quand même sur une note positive, où on essaye de voir que les petits papillons, la nature va reprendre le dessus, et que les hommes ne vont pas faire de notre planète une poubelle géante. Pour continuer, le jeudi, nous avons proposé une journée forum avec différents stands et animations proposées au centre social, dans la grande salle tout d'abord. Nous avions le programme Boréal avec un stand sur l'anti-gaspillage alimentaire. Ensuite, un stand avec les ambassadeurs du tri des déchets ménagers de Valenciennes Métropole, qui étaient là pour répondre à toutes les questions des habitants sur les difficultés que peuvent éprouver pour trier les déchets, ne pas se tromper dans les poubelles, et aussi montrer que le message peut très bien passer aux petits comme aux grands. Ensuite, nous avions un stand avec Unicité, qui sont un groupe de jeunes qui travaillent sur le quartier du Jard, qui ont bien voulu venir pour faire une démonstration de création de produits ménagers au naturel, bio, écolo. Nous proposions aussi un stand d'activité manuelle où chacun pouvait s'adonner à une petite création, une jardinière de plantes aromatiques pour mettre dans sa cuisine, un vase avec des roseaux récupérés dans la nature, des petites graines à planter dans différents pots, des crocs décorés en guise de pot. Tout pour embellir sa maison tout en restant écolo. Et puis nous avions aussi un stand de marché aux fleurs tenu par le centre de jour Edelweiss. Donc les jeunes qui sont déscolarisés et qui réapprennent petit à petit goût à la vie, goût au travail, en tenant à jour des légumes, des fleurs. Et donc c'était mettre à profit leur travail, les valoriser sur tout ce qu'ils font pendant l'année. Nous avons terminé cette semaine par le vendredi matin, une grande opération nettoyage du quartier et des habitations. La ville nous avait mis à disposition une benne Malaquin sur la place du Hainaut, où chacun pouvait apporter, débarrasser son logement, les meubles. Alors nous avons eu un grand esprit de solidarité qui s'est développé. Certains habitants ont été débarrassés des maisons de mamie qui ne pouvaient pas se déplacer par elles-mêmes, des gros meubles cassés ou qui n'avaient plus besoin d'être dans leur logement. Nous avons aussi eu la chance d'avoir quelques habitants qui ont bien voulu se prêter au jeu du nettoyage du quartier, donc des mamans avec leurs enfants, des familles, des personnes qui sont venues avec des gants, des sacs poubelles. Nous avons tout nettoyé, ramassé le quartier pour vivre dans un quartier propre.
Si on faisait le bilan de cette semaine verte, cela a permis de valoriser les habitants qui se sont motivés pour pouvoir proposer ces différentes actions de cette semaine verte. Nous remercions tous les services municipaux qui nous ont prêté main forte pour enrichir cette semaine. Et nous espérons que ces actions ont permis aux Condéens de se sensibiliser à l'amélioration du cadre de vie et à l'environnement, à la propreté de leur quartier, au tri des déchets ménagers, à la biodiversité, aux économies d'énergie. Et nous espérons que ça leur a donné envie de se mettre au vert avec envie. Un bien beau programme. Nous ne pouvons que les encourager à renouveler cette action l'année prochaine. Un peu de sport maintenant, et plus particulièrement du fitness. Les nouveaux concepts de fitness en musique connaissent un très large succès. Cette fois-ci, il s'agit d'une prestation de Movida Fitness qui a eu lieu à la salle Henri Bois le 25 mai dernier. Cette manifestation avait pour but de recueillir des fonds pour l'école Jeanne d'Arc. Maureen et Lydie, professeurs de Movida Fitness, ont accepté de nous répondre. Cette journée est organisée donc pour, en profit pour l'école Jeanne d'Arc de Condé-sur-Escaut. Donc, on a organisé donc cette journée pour récolter des fonds pour des actions pédagogiques. On a donc fait beaucoup de publicité, on a été aidé également par la commune de Condé, beaucoup, énormément, même je tiens vraiment à le souligner, pour réaliser ce projet. Et aujourd'hui, il va avoir comme participants des parents de l'école, mais également aussi des élèves donc, de Maureen et moi qui vont assister à ce cours de Movida Fitness. Et on espère qu'ils vont vraiment se lâcher, avoir un grand moment de folie avec nous. C'est ce qui compte en priorité, passer un très bon moment en notre compagnie aujourd'hui. Faisons maintenant un petit détour du côté de la maison de retraite. C'est à l'occasion de la fête des mères et de la traditionnelle remise des cadeaux par les élus de la ville que nous avons rencontré une personne très charmante et émouvante. En effet, Madame Marianne Gavlik vient de souffler ses 100 bougies. Une très belle personne, très attachante. Mais c'est bien, continuez à bien vous porter. C'est l'essentiel. Quel bonheur que j'ai de vous voir tous comme ça. Je suis heureuse. Mais tant mieux, tant je mieux. Je suis heureuse. Eh bien, nous, on est heureux de vous voir. C'est malheureux que je suis toute seule. Ah, j'ai encore quand même un neveu qui reste à faire. Voilà qui clôture notre édition. Le prochain journal vous sera présenté par Andy Flowers. Et pour ma part, je vous retrouverai dès la rentrée. Merci de votre attention et je vous souhaite de très bonnes vacances.